Allez, re les gars. Ce qui me plaît, parce que je voulais le dire, c'est que déjà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, tantôt. On va aller faire ça et on va faire les deux quêtes secondaires qu'il y a là et après on découvrira les villages. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la technique de la frappe céleste, ce qui est bien, c'est qu'on se rapproche petit à petit des mythes. Oh là là là. Ah oui, l'orage gronde. C'est qu'on se rapproche petit à petit des mythes et je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment agréable parce que j'adore quand il y a du fantastique. Et j'aime bien surtout quand il y a une transition où genre les choses sont vraiment réelles, on va dire, et que petit à petit on entre une petite partie d'ésotérisme, un truc vraiment petit à petit magique et mythique. Je kiffe. Ça donne vraiment plus de profondeur au surnaturel. D'accord, c'est par là-bas, on va appeler le cheval déjà, parce que on n'a pas un cheval pour marcher nous. Tu es un bon cheval. Ah merde. Oh le cheval, le pauvre, tu sais, j'ai rien respecté. Ils sont forts. Allez hop. Ah ça les a impressionnés. Oh merde non. Non mais il me passe à tabac quoi. Putain, ça commence bien, je regrette. Allez, j'adore le temps de chargement, vraiment, on le sent même pas. Il n'existe pas en fait, il y est pas. Ah, diff. J'ai entendu un bruit. Allez hop. Bébé, arrête de... Putain, ils m'ont donné un peu de points, donc imaginez les autres si je les avais tués. Ce qu'ils m'auraient donné. Donc, on va quand même aller vers lui. Hop là, comme les golasses. Non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'ai fait ce petit truc là? Non, c'est génial, on va avoir du dialogue. Toutes les maisons se ressemblent à peu près, du coup je me demande à chaque fois si j'ai déjà fait ou pas, mais non. Ah si, quoi que... Non, 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 j'ai pas fait. Connaissez-vous la légende de Tadayori, monseigneur? Oh, yes! Son nom m'est familier, oui. Mais j'ignore tout de ses exploits. Une histoire ancienne raconte que son armure lui conférait un grand pouvoir. Et qu'il serait terrible qu'elle finisse par tomber en de mauvaises mains. J'empêcherai que cela n'arrive. J'aimerais en savoir plus sur cette légende et sur l'armure. Le musicien Yamato devrait pouvoir vous aider. Il m'a raconté cette légende à Asamo. Près de la rivière qui fait office de limite avec Tsutsu. Bon sang, mais c'est lui en fait, il raconte toujours tout. Tu sais, c'est génial, un nouveau truc mythique. Oh là 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 là. Une nouvelle armure. Ah putain, c'est en bas. Bon, c'est la prochaine. Non, bon, ouais. On va faire ça. On va essayer ensuite ça. Et la prochaine, c'est vraiment l'armure. Là, je rigole pas. Hein. Quand on me parle d'armes et d'armure et de technique, là, c'est vraiment un truc qui me touche. Ah, j'ai pas regardé s'ils avaient des choses à prendre chez eux. Non, c'est pas grave, on s'en fout. On est un héros, on n'est pas des...
On n'est pas des chips, on n'est pas des Chris Prolls. Ah, un lieu de méditation. Allez, on va essayer de faire un beau poème. Un haïku, voilà, j'étais sûr, c'est ça. On va créer un bel haïku. Ah, j'adore. Les secrets enfouis, des murmures proches. Une lumière s'éteint. Ah, genre une lumière s'éteint, des fils cachés dans la tente ou non. Les ténèbres partout s'infiltrent. Des ombres mouvantes appellent. Les ténèbres partout s'infiltrent quand la lumière s'éteint. Attendez. La mort pour armure. Loin de tout regard. La lune pour seul guide. Ah, magnifique. Une lumière s'éteint. Les ténèbres partout s'infiltrent. La lune pour seul guide. Oh là là, magnifique. J'ai envie de pleurer. Bandeau de peur. Magnifique. Les haïkus de Maître Shifu ne m'ont jamais quitté. Équipement. Montre-moi mon bandeau, celui que je viens d'avoir de la peur. Ah, putain, oui. Non, je préfère garder celui doré, il est plus noble. Oh là là, j'en ai marre, y a trop de sentiments. Trop de sentiments ici. Allez hop. Vers la fumée, je pense. Ah putain, allez, allez. Merde. Bon, allez, tant pis. C'est quoi ça? D'accord, bon, lui là. Allons-y, Sora. Il n'y a pas échappé belle. Hein. Ah, on a un Tori. Ce Tori mène à un sanctuaire. Mais je l'ai vu ce sanctuaire, je crois. Attendez. Oui, c'est celui-là. Là, comme ça, hop, ensuite on arrive à là. Sanctuaire de la. Du printemps. Non, je l'ai fait. Ok, on a un camp mongol. Tout est si paisible ici. Quel est cet endroit? Ah non. Il y avait pas un oiseau là? Je rêve. Mais il est là, ce petit sacripant. Monseigneur, veuillez attendre à l'intérieur. Le seigneur Jinroku sera bientôt de retour. Attendez, attendez, attendez. Il n'y avait pas deux, trois dialogues par-ci, par-là. Du bois d'if. Là, y a rien. Ce soir, c'est à moi de préparer le bain du seigneur Jinroku. Ah, t'es contente, petite coquine? Ah bon? Du cuir. Ah ouais, c'est vraiment un seigneur et ça, ce sont ses gens. Je vous ai pris pour le seigneur Jinroku, mais vous êtes un autre samouraï. Bienvenue, mon seigneur. Un autre samouraï, ça veut dire quoi? C'est un samouraï, lui aussi? Parle-moi en plus. Un autre samouraï. Vous ne connaissez pas le seigneur Jinroku? C'est un samouraï légendaire. J'aimerais le rencontrer. Quand reviendra-t-il? Bientôt.
Joignez-vous à nous pour le dîner. Il vous racontera un de ses prodigieux exploits. Lui aussi un légendaire par-delà l'honneur. Je me demande ce qu'il aura à nous apprendre. Mission périlleuse. Ne vous inquiétez pas, je suis indemne. Ah, je n'attendais pas de visiteurs, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Je crois que c'est un escroc, il fait genre d'être un samouraï. Il n'y aurait qu'un autre samouraï avait survécu. Ce fut une bataille terrible, n'est-ce pas? Ce jour-là, les plages de Komatsu ont viré rouge sang. Quelle horreur! Nous nous sommes battus à Komoda. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, mon voyage m'a épuisé. Si cela vous convient, un abbé va vous montrer le bain. Nous discuterons en dînant. Veuillez me suivre, monseigneur. J'étais sûr, un gros baratineur. Connaissez-vous bien le seigneur Jinroku? Il nous raconte absolument tout. S'il n'avait pas été là, toute l'île aurait été perdue. Quand vous l'avez rencontré, était-il armé? Il a tout donné pour sauver Tsushima, à l'exception de son cheval. Il est à l'écurie. Mon bain attendra. Je souhaite voir son cheval. Voilà, y'a rien. Gros baratineur et il a pris le cheval de quelqu'un d'autre, ou peut-être même d'un mongol. Équipement standard, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Alors, est-ce qu'ils ont un entretien particulier? Un cheval de ferme, pas un cheval de guerre. Mon dieu, espèce de sacripant! Je reconnais cette selle. Elle appartenait au seigneur Iguchi. Jinroku n'est pas un samouraï. Je lui ferai avouer la vérité. Allez, on va lui tirer des vers du cul, là. Pas, c'est plus du nez, là. Où est Jinroku? Il est parti peu après votre départ. J'imagine que c'était important. Je le trouverai. Ah, voilà, petit escroc. Ouais, d'accord, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce que... C'est tout ça, la zone de recherche? Mon dieu... Ah non, c'est le village. D'accord, bon, ben on va faire un petit tour par-ci, par-là. Ouais. Les gens n'ont pas vu. Le bain, non. Peut-être qu'il est revenu prendre son cheval le temps que je... Non. Bon, ça doit être dans la maison, du coup. Enfin, je suppose. Là, y'a rien. Vision d'aigle, non? Oh là là! Les chiottes. Ah là-bas, oh là 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 là. Nous devons parler.
Sans amour, pas la peine de courir, imbécile. Arrête! Il n'est jamais trop tard. Ah d'accord, on peut pas appeler le cheval. Je ne veux pas vous tuer. Arrêtez! Je ne faisais de mal à personne. Ok, on a découvert les sources chaudes. Eh bien. Je vous défie en duel. Vous voulez m'affronter? Oui, c'est ma seule chance. Si c'est ce que vous voulez, j'accepte. Et allez. Duel à Lausanne de Kashin. Je ne veux pas mourir. Je me rends. Je suis désolé. Dites-moi qui vous êtes vraiment. Je ne suis personne. J'essayais juste de survivre. Vous usurpez l'identité d'un samouraï et vous bafouez son nom. Et vous abusez de la confiance de ses femmes. Je sais. Je vous en supplie, mon seigneur. Épargnez-moi. Je n'y remettrai jamais les pieds. Partez. Et si je vous revois un jour avec cette armure, nous irons au bout de notre duel. Ok. J'ai pas oublié qu'il y avait. Imbécile. Je dois la vérité à ces femmes. Ah, c'est ça que je voulais, moi. Le clan Mong. Le camp. Ah, mais je l'ai fait. Par contre, j'ai pas fait cette hutte. Ok. Allez, on va voir les femmes du coup du... Ah, les pauvres. Trop mignonnes, elles étaient trop naïves. Et finalement, c'est plus rapide ça. Hein. Donc, le village, il est où? Là-bas. Ah, les pauvres, elles vont tomber de haut. Elles vont être déçues de se faire prendre pour des connes. Il se fait un beau petit harem que de femmes. Ah oui, il est tranquille. Ah, il y a quand même un homme là. Non? Ouais, c'est un mec. Deux mecs. Seigneur Sakai, ravi de vous revoir. Jinroku n'est pas l'homme que vous croyez. Il n'a rien d'un samouraï. Ah, il vous a dit la vérité? Vous saviez qu'il mentait? Il n'était pas méchant, et sa compagnie nous était agréable. J'espère que vous ne l'avez pas tué. Il est vivant. Mais il ne reviendra pas. Je dirai aux autres qu'il a dû partir en mission. On s'en sortait bien sans lui, et ça continuera ainsi. Par-delà l'honneur. Oh merde! Charme de l'ombre, charme de furtivité. Un coup que, attendez. Ouais, d'accord, ok, ça fait plus. Réduit la vitesse de détection de l'ennemi de 10%. Inutile.
Allez hop, juste à côté. Putain, allez. Non, ça va. Plus de peur que de mal. Putain. N'approchez pas, monseigneur. Les esprits vengeurs de samouraïs hantent cette forêt. Ah, les esprits vengeurs. Pourquoi dites-vous une chose pareille ? C'est vrai. C'était autrefois un lieu de refuge. Aujourd'hui, ceux qui entrent dans la forêt n'en ressortent jamais. Nous sommes en guerre. Les gens disparaissent. Mais même les Mongols craignent ce lieu. Attendez la tombée de la nuit, monseigneur. C'est là que la mort rôde dans la forêt. Eh bien, on va l'attendre. Murmure dans les bois. Après cette nuit, vous n'aurez plus à colporter ces rumeurs d'esprits meurtriers. Espérons-le, monseigneur. Magnifique avec les lanternes qui éclairent. Quelqu'un vivait ici, abandonné. La légende de la forêt de Yagata. Oh, je vais pas dire. Tâche quotidienne. Ignorer les voix, ignorer les voix. Les voix. La fatigue me gagne. Oh, le gardien a entendu des bruits étranges une nuit. Puis il a disparu. C'est un renard, ça. Putain, je la vois cassée. Je pense qu'il faut pas trop s'éloigner des petites lanternes. Terrier de renard, où est-ce qu'il est, ce petit sacripant? J'espère juste qu'il va pas trop m'éloigner de la zone de mission. Attends, j'arrive. Bambou, hop. Ah, super. Juste à côté. Très simple. Et là, on débloque un autre emplacement de charme. Ok. Super. Ah. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a fui. Décapité. Comme si le tueur voulait faire croire à la vengeance d'un samouraï. Oh mon dieu. Oh! Il m'a pas lâché le bras. Mon dieu, le mystère plane toujours. Décapité. Il semblerait qu'il essayait d'échapper à quelqu'un. Mon dieu, j'adore. C'est tellement lugubre. Là, on revient au début. Est-ce que c'est par là? Je pense pas, on avait un truc là-bas, non? Un feu de camp.
Quelqu'un doit être là. C'est récent. Le tueur doit être tout près. Quelqu'un a filé par là. Ah oui. Une mise en scène pour éloigner les gens. Aussi longtemps que nous voudrons. Oui, même les Mongols l'évitent maintenant. Ah. Et des têtes avec cette lame de samouraï n'est pas pour eux. Mais c'est ce qu'il faut pour que l'on nous laisse tranquille. C'est sûr que ça allait être une supercherie. Qui me lâche rien. Il entre sous ma... Assassin ! Assassin ? C'est lui qui dit ça ? Baissez-vous ! Ce n'est pas un but ! L'esprit d'un samouraï ! Kabuda me protège ! Ah, attends, je me suis bien arrêté en plus comme ça. Oulalalala, non. Le danger est écarté. Je devrais raconter la vérité à l'homme qui craint les esprits. Ah, du coup, c'est nous qui allons donner vie au mythe. Ah, c'est pas mal. Bon, on a eu de bonnes choses à récupérer, du coup, allez hop. On va voir l'autre là. Ah merde! Putain, j'en ai marre. J'aime bien parce que c'est ironique, quoi. Nous qui voulions à tout prix mettre terme à un mythe et à un mensonge, on finit par lui donner naissance. J'aimerais bien qu'on rencontre Yamato, le barde qui raconte les légendes. Vous avez survécu. Et je vous rapporte une nouvelle histoire. Des bandits sanguinaires rôdaient jadis dans la forêt sacrée. Mais les esprits des samouraïs qui protègent ce lieu ont hurlé leur colère. Le dernier guerrier du clan Sakai a entendu leur cri de tourment. Il débarrassa la forêt des meurtriers, et les esprits des samouraïs vécurent en paix. Une bonne histoire. Comme si les esprits des samouraïs vous avaient invoqué pour sauver leur forêt. Ah oui, peut-être. Murmure dans les bois. Terminé. Ok, du coup on a 6 points. Charme de destruction double. Ah, sachant en plus qu'on a un nouveau charme, emplacement de charme, c'est super, ça tombe à pic. Les attaques ont 5% de chance d'infliger 2 fois plus de dégâts, yes. C'est faible, mais si ça passe, ça casse. Allez, on s'arrête là, on fait une petite pause et on reprend tantôt.